Entrepreneur Web 3.0 vous présente Caltex Trade, la nouvelle plateforme d'achat et de vente du pétrole à travers le monde. Elle est spécialisée aussi dans le trading sportif, dans le forex, l'arbitrage de la crypto-monnaie avec une meilleure équipe de traders professionnels qui sont là pour suivre les indicateurs et réaliser des meilleures offres pour les investisseurs. Investissons ce que nous sommes capables de perdre. Là, nous restons toujours dans l'investissement et l'investissement reste l'un des leviers pour nous permettre d'être sur le chemin de la liberté financière. Alors, restez connectés jusqu'à la fin pour suivre de bout en bout cette nouvelle opportunité. Passez à l'action et prenez position maintenant. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Hello, hello, chers abonnés, chers followers, chers passionnés de crypto-monnaie, bienvenue sur la plateforme Caltex Trade. Donc, ici, la plateforme Caltex Trade, ici, nous informe que c'est l'occasion de l'année pour devenir financièrement libre. Je vais effectuer un retrait parce que Caltex Trade, c'est un projet que j'ai commencé depuis, mais j'étais en phase test. J'étais en phase test. Le test est positif. Pour l'instant, mon avis est positif sur ce projet parce qu'elle paye tous les jours. Maintenant, je vais effectuer un retrait et demain, je vais vous montrer la preuve de retrait. Ou si c'est parce qu'actuellement, il est 23h ici à l'heure où je vous parle. Je ne sais pas si le support pourra traiter cela. Pour faire un retrait, ce n'est pas du tout compliqué. On vient ici sur financier, on clique sur retrait. Donc, avant cela, je vais aller copier mon adresse Ethereum. Je vais mettre pause pour aller copier mon adresse de retrait. Oui, si je suis de retour là, j'ai copié derrière mon adresse de retrait. Donc, je vais configurer l'adresse de retrait. D'abord, je pense que je vais configurer l'adresse de retrait. Pour configurer votre adresse de retrait, vous venez juste sur compte. Vous venez sur compte ici. Vous venez sur mon compte. Vous venez sur mon compte. Vous avez déjà toutes vos informations personnelles là. Vous choisissez. Vous choisissez. Ça, c'est de l'Ethereum. C'est de l'Ethereum ici, là. C'est mon adresse Ethereum. Bon, je vais d'abord. Oui, c'est bien ça. Mon adresse est ici. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Je vais sauver. Je vais enregistrer. Ça va, c'est fait. Votre compte a été mis à jour. Votre compte a été mis à jour. Ok, c'est bon. Là, je vais aller sur financier, retrait. Financier, retrait. Là, je veux faire un retrait en ETH. Je vais mettre le montant. Je vais retirer 100. 134 dollars. 134 dollars. Et les frais de retrait ici sont évalués à 5%. Sont de l'ordre de 5%. Sont de l'ordre de 5%. Et je vais mettre l'adresse du portefeuille ici. Là. Voilà, c'est fait. L'adresse du portefeuille, j'ai retiré 134 dollars. Je vais tout retirer même. Je vais tout retirer ça. 134 dollars, virgule 67. Voilà. Non, ça va. 134 dollars. Je vais retirer 134 dollars. 134 dollars, c'est vrai. 134 dollars. Une fois que c'est fait, donc le paiement c'est en Ethereum. Je retiens en Ethereum parce que moi j'aime fonctionner avec l'Ethereum. Mais il y a de cela deux semaines, des retraits étaient encore, le minimum des retraits était encore fixé à 30 dollars. Mais suite à la chute des crypto-monnaies ces derniers temps-ci, ils ont augmenté la limite pour pouvoir servir tout le monde. Donc, la limite, ils ont monté la limite maintenant à 100 dollars. Vous ne pouvez que faire un retrait lorsque vous avez 100 dollars dans votre account balance. Bon, je vais faire un retrait tout de suite. Là, c'est fait. Donc, je vous ai montré la limite. C'est maintenant 100 dollars. Ce n'est plus 30 dollars. C'est maintenant 100 dollars pour faire le retrait. Ici, vous avez le mode de paiement, ETH. Et là, vous avez votre adresse portefeuille. Et là, vous avez le montant. Je retire 134 dollars. Ça, c'est juste après. Combien de semaines? On va voir juste comment ce compte s'est travaillé juste en 2 semaines. En 2 semaines, parce que on va voir au niveau du. On va revenir ici. On va revenir là parce que je veux juste vous montrer parce que j'aime parler de façon pratique. On va juste venir ici au niveau de liste. On va sortir là. On va juste venir ici au niveau de liste. On va d'abord annuler ceci. Parce que je voulais faire un upgrade tout à l'heure, mais ce n'était pas. Il fallait juste copier les éléments. Pouvoir effectuer un nouveau paiement. Voilà.
Liste. Nous allons voir. Ce compte ici, il est actif. Il a commencé à travailler. Il a commencé à travailler depuis le 5. Donc ça fait aujourd'hui 15 jours. 15 jours comme il est au travail. Il est déjà à 130 dollars. Il est déjà à plus de environ 300 dollars dans son truc. Et là, ici, ce sont les bonus quotidiens. Mais j'ai déjà fait une vidéo au préalable. Donc là, je vais rentrer sur financier parce que ça, c'était juste une vidéo juste pour vous montrer comment effectuer un retrait. Parce qu'on m'a demandé cette vidéo, on m'a dit, mais leader, tu nous présentes un projet comme ça, mais on n'a pas encore vu le retrait. Donc, voici un retrait aujourd'hui que j'ai fait en direct devant live devant vous. Là, devant vous, on va mettre 100, 100, 134 dollars. 134 dollars que je retire là. Puis ce procédé. Le minimum de retrait ici est de 100 dollars. 134 dollars, c'est fait. Donc, on attend, on voit comment ça va faire. 134 dollars. Non, il ne fonctionne pas. Là, on va mettre 100. Peut-être il faut retirer au niveau des gains. Ah non, ça va, il est passé. Il est passé. Non, non, il n'est pas passé. Attendez, je vais aller voir. Non, il n'est pas passé. On va aller dans transaction pour voir s'il est passé ou pas. On va aller dans transaction. Non, il n'est pas passé. En transaction, il n'y a rien. C'est qu'il y a un élément que je n'ai pas tenu compte. Là, je vais donc reprendre à zéro. Je vais reprendre. Le retrait. Et sur retrait. Je clique sur limite de retrait quotidien qui est fixée une fois par jour avec un. On va retirer un peu 50 grammes pour voir. Oui, bon, ça va. Là, j'ai fait un test de 50 dollars. J'ai retiré 50 dollars. Voilà ça qui est en progression. La transaction est soumise au support de Kaltest Trade. Donc, on va attendre. La transaction est soumise. Donc, voilà le pourcentage. On attend. Donc, ici, je viens d'effectuer comme ça un retrait de 50 dollars. Retrait de 50 dollars ici. Je viens d'effectuer un retrait de 50 dollars. Là. C'est fait. Donc, voici donc la preuve de retrait alors. Donc, j'attends une fois sur mon wallet. Je vais devoir vous présenter cela pour ceux qui veulent bien voir. Donc, il n'y a pas de souci. Ok, ça va. Lorsque je l'ai fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager cette vidéo à l'international pour permettre à toute personne intelligente qui souhaite prendre le risque de devoir venir investir sur cette plateforme et de se faire de l'argent tous les jours. Donc, j'ai fait un retrait de 50 dollars. Parce que normalement, moi, je voulais retirer tout l'équilibre, mais je n'ai que retiré 50 dollars. Donc, donc, ça veut donc dire ici, alors, lorsque, ok, je comprends maintenant. Donc, étant donné que ce compte-ci a un compte à un pack de 30 dollars, donc je ne peux pas retirer plus de 300%, plus de 300% du pack. Ils ont vraiment limité cela. Donc, si tu veux retirer plus, là, c'est encore une autre tactique. Parce que si tu veux retirer plus de 100 euros, si tu dois retirer plus de 100 euros, je dois avoir un compte supérieur au montant. Donc, le montant est supérieur à trois fois ce montant-là. Donc, je ne pourrais que retirer 90 dollars. Et je ne peux que faire un retrait par jour. Donc, ils ont vraiment limité plusieurs accès. Mais sinon, bon, ça va. Voici dans les différents packs alors que je disais tantôt. Il y a 9 packs actuellement. Il y a le pack de 100 dollars, de 30 dollars, 50, 100, 300, 500, 2000, 3000 et 9 et 5000. Donc, sachez que en termes de retrait, vous ne pouvez pas retirer. Vous ne pouvez que retirer trois fois votre montant. Trois fois votre montant. Donc, je vais chercher déjà à passer ces comptes-ci
à des parts supérieures pour pouvoir retirer des montants assez conséquents. Donc, c'est une plateforme que moi-même je découvre. Je vous ai dit que j'étais en train de tester et j'ai fait le retrait. Donc, on attend, on va aller au niveau des transactions pour voir financer transaction. Au niveau de retrait, transaction, on va voir ce que ça donne. Transaction. On va cliquer sur transaction, c'est fait. On attend. Donc, c'est un projet, j'ai testé le projet, donc il est là, il fonctionne. Bon, je pense qu'on est déjà à 11 000, donc ça va, je vais arrêter à ce niveau. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je laisserai le lien d'affiliation en bas de page pour vous permettre de passer aussi, de vous positionner, de vous faire de l'argent aussi, si vous voulez. Bon, ça va. C'est un business libre de droit. Donc, voici, là, comme ce n'est pas encore payé, je n'ai pas encore toutes les informations là, donc j'attends. Je viens de faire le retrait. Il n'est que 23 heures ici. Il n'est que 23 heures là. Il est 23 actuellement, 23h25 actuellement. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Si vous avez besoin de questions, n'hésitez pas. Vous allez recevoir cette vidéo aussi sur Telegram, sur WhatsApp, YouTube. Donc, la suite au prochain numéro. Bye bye.